Bonjour tout le monde, nous le 27 février 2023, moi c'est Didier Alain, moi très content avec nous, matin. Bonjour tout le monde, c'est côté que nous embrasser l'humanité. Matin, nous avons un ami, un podcasteur même j'avais, et Olivier D, qui voyait un message moi sur les réseaux sociaux, il partageait avec moi, ils ont fait qu'à parler d'un problème et me réaliser que le problème ça est ancré en dans la communauté nous et me penser que son bail est excessivement important que me partager et information ça avec nous tout de suite et pour que nous avancer. Bon professeur qui relé Uri Treisman qui est un professeur mathématique dans Berkeley University qui sont gros l'école qui ont un programme côté que d'ailleurs pour entrer dans l'école ça faut être très fort, faut être très brillant, très intelligent et qui réaliser que dans programme lien étudiant noir pas réussi Jean est supposé réussir. Le là parler avec tout autre professeur autour yo, tout le monde blâmé et problème là sur le fait que étudiant moi pas motivé, étudiant moi pas et yo sorti dans des écoles qui pas à niveau etc. monsieur pas refuser théorie ça parce que je dis que premièrement tout le monde qui rentre dans l'école ça c'est le monde qui est déjà très brillant. Deuxièmement, elle a regardé tout étudiant noir ça que t'as parlé, c'est de étudiants qui brillant, qui c'est de leader dans l'école, yo qui c'est de leader dans association étudiant, qui c'est de leader dans l'église etc. Donc ça monsieur fait il a regardé que groupe qui était réussi mieux dans la classe, c'était asiatique. Et là, ils font recherche, ils viennent regarder qui s'est passé. Seule différence qui était gagnée entre asiatique avec étudiant noir, le l'a vérifié. Premièrement, étudiant noir était travaillé plus dur. Donc, le l'a vérifié. Seule différence qui vient, c'est que groupe asiatique était étudié en communauté et groupe noir était étudié en individu. Monsieur Nick Changel qui vient arriver, il vient de baisser ça de Treisman model, il vient prouver que les changer gens quoi fait, il vient mettre un aspect collaboratif obligatoire dans quoi et puis étudiant noir ça vient exceller. Pour qui ça que n'a parlé de ça? Parce que je pense que c'est plus gros problème nous en Haïti, plus gros problème dans la communauté noire à travers le monde en général, mais en Haïti particulièrement, c'est que nous pas aucun sens de communauté. Nous pas aucun sens de vivre ensemble. Nous avons un grand sens, c'est justement de faire individualiste. Et nous sommes dans la vie, dans le mouvement, et comme je m'apprends depuis très tout petit, que j'ai toujours dit, business c'est team sport. La vie c'est team sport. Affaire de self-made, que mon appel à son bullshit que faut retirer dans la tête. Non, nous pas self-made. Ou quand c'était professeur qui était là pour moi, ou quand c'était monde qui était là pour moi, ou quand c'était monde en plus en dehors de parents, quand c'était employé, quand c'était collaborateur, quand c'était monde qui montrait mon bagage. Donc pas de self-made dans le bagage là. Son bagage qui fait en communauté. Et c'est pour ça que certains communautés qui sont tellement soudées entre eux qui font que éclater alors que nous-mêmes nous pas foutu éclater parce que ça n'a pas cherché à faire une à l'autre, c'est craser les graines de glace, c'est craser les gens, c'est pas embrasser rien, c'est pas créer rien, nous pas essayer de voir une autre montée, nous pas essayer de construire une communauté. Et je dis ça là, dans un moment là, pour que nous comprenions la réalité, non. Tout autant que nous pouvons embrasser au minimum l'esprit de communauté, au minimum de comprendre que l'un a l'autre monté, que c'est en communauté que nous avons sorti de sa manière là, que nous sommes capables, au contraire, pas seulement sorti, mais exceller. Même si c'était le cas dans Berkeley University, nous ne pas là-dedans. Nous pensons que le message était critique et clé pour nous comprendre que aujourd'hui, en 2023, le temps que moi-même m'inclus tête là-dedans. Je ne vais pas parler ni leçon, ce n'est pas leçon à personne. Je dis que nous-mêmes dans la communauté noire, nous-mêmes dans la communauté haïtienne, nous avons un sérieux problème de comprendre et de vivre en communauté et de comprendre que nous allons. Il y a une raison pour ça. Il y a plein de monde qui fait mauvais coup, il y a plein de monde qui abuse de confiance communautaire, il y a plein de monde qui est vraiment exaspéré, qui fait que vraiment on vient décourager, on vient pas faire affaire avec eux. Mais au point de ça qui passe, il y a bon monde dans la communauté à toujours. Il y a des gens même avec nous qui écoutent là, qui c'est de bon monde, qui c'est là, l'île pour nous sortir de silence nous, l'île pour nous sortir de passivité nous, l'île pour nous sortir de cocon nous, pour nous connaître que nous avons un rôle pour nous jouer. Et rôle pour nous jouer, c'est rôle ça, c'est rôle de construire communauté ça, c'est rôle de vendre et de montrer que il y a bon bagage toujours dans haïtien, que il y a bon bagage toujours dans la communauté noire, que il y a bon bagage toujours. C'est le message que je me fais matin, que belle à tout le monde. À bientôt.